open up our eyes and out. Oh, what a morning. It's another day for work. Vous encouragez n'importe quoi en France. Non, non, c'est rigolo, mais est-ce que tu as un plan B? Ah, comment ça, un plan B? Cherche le soleil, hein, qui est une composition qui est exprès pour cette pandémie. Cherche ton coin de paradis, cherche le soleil, il est là quelque part, cherche le soleil. Non mais j'adore comme elle a dit, chanson pour la pandémie, comme si la planète avait pas assez souffert déjà. Bon, devenez. Avant de faire la télé, vous avez pas pensé faire un peu de toilettage? Je parlais pas pour le chien. Moi? Et est-ce que... allez, allez, reviens, c'est la fête, c'est la fête. Allez, allez, allez. Bon, j'ai une question. Combien de soirées de mariage avez-vous gâchées? Merci, c'est gentil. Non, non, écoutez, ce qui est bon avec votre duo, c'est qu'on sait pas lequel d'entre vous chante le plus mal. C'est une blague, c'est vous, madame. Donc... J'ai jamais vu autant d'insignifiance en si peu de temps. Et moi, je regarde la télé française. Hein. Barbecue aime le poisson. Le poisson aime le... Ça, c'est ce que j'appelle la maladie mentale. Vous savez que vous êtes à la télé. Hein? Ah bon? Cette fois, c'est une danse qui vient de l'intérieur. Je vous invite à rentrer dans le mouvement de cette énergie de vie qui vous habite. Et je vous invite à vous laisser porter par cette énergie qui vous habite. J'ai juste une question. Quel est le nom de votre secte? Et... La drogue. Vous avez commencé ça avant ou après la pandémie? Non, non, par contre, je suis très content de rencontrer des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Est-ce qu'ils ont repris la sonde? Pour moi, c'est juste un gars sous dans un mariage. It's okay, I'll see you after the show. Yeah, you know what? Moi, je voulais plus voir ce mélange de KFC et DSK. Vous savez que la même chose est arrivée entre un homme et une chauve-souris en 2019, et nous voilà. Ça me rappelait un meeting avec les producteurs de cette émission, plein de mauvaises idées, et à la fin, t'as l'impression de te faire un c***. Pas possible! Allez, c'est parti, mon kiki! Ah non, décidément, ça ne marche toujours pas. Est-ce que vous travaillez pour AstraZeneca? Non, pas encore. Et vous êtes tellement discipliné, on dirait que vous êtes de la Corée du Nord. Et en même temps, avec une gorge comme ça, tu peux faire beaucoup plus d'argent. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'on n'a pas idée d'avoir une tête pareille. Vous n'avez pas vu la vôtre? Si, justement. Justement quoi? Eh bien, justement, c'est la même. La même? La même que la vôtre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment vous appelez-vous? Monsieur G1 et Monsieur G2. Je pense que c'est la pire chose qui est arrivée à l'être G depuis G-Squad. J'ai du soleil sur la peau. Où elle est? J'ai dans le cœur. Je pense qu'il a fait plus de mal à la chanson française que le piratage. Très sexy quand il a plu sur la scène, ouais, et sur le banc de Marianne.
Marianne te regardait comme un kebab quand tu tournais comme ça. J'ai... comme un kebab! En te regardant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens excités en ce moment. Les ménagères pour tes abdos et les gens du Nord pour le chien. Moi aussi, j'ai un handicap. Moi, j'ai pas de cœur. Et toi, ton handicap, c'est que t'es français. Alors... ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. On dirait le père Fourat sur une croisière. Oula, oula! Je suis pas d'humeur à ce qu'on fout, DJ. Il y a de la foudre, mais nous, elles sont foudres. Ouais, cherche pas une compatie. Je suis passé par toutes les étapes du deuil. Il me reste juste l'acceptation. C'est comme Karine Le Marchand, c'est magnifique, mais tu fermes les yeux et c'est juste du bruit. N'importe quoi! T'es comme une fille dans ta chambre! Excuse-moi deux secondes. Je te le tiens. Regarde. Ah! Que Sammy soit gentil! Ouais!